Yamina Batous, welcome to Reporters Plus here on France 24. I'm Mark Owen. In this special edition, we meet a young woman on a painful journey to find out the truth about her roots. When Sarah was 30, she became a mother. She decided to break the wall of silence that had been built by her father. He was the son of a Haki. A Haki is a French person born in Algeria who took sides with the French during the Algerian War of Independence. After independence was won in 1962, the Hakis, who were not killed in revenge massacres, fled to France. But the welcome they got was frankly a scandal. Dumped in internment camps, a subject France has long preferred not to talk about. This powerful and emotional film bears witness to a Haki family, one of many, an award-winning film by Cécile Kindria and Vittorio Moroni, now shown on television for the first time. Vous en faisiez des nés en Algérie? Oui, oui. Mais ce n'est pas le fou comme celle de maintenant. C'est quoi? C'est le vrai, c'est les feuilles. C'est parce que ça vient d'où, le henné? Eh ben, pas chez nous. Les autres envisagent pas chez nous. Mais c'est quoi? C'est les feuilles des arbres que tu broies? Non, c'est pas des arbres de... Comme l'herbe, comme ça, elle pousse par terre. Ouais. Après, on coupe les feuilles, les sèches, mais pas beaucoup, beaucoup chez nous. On achète, vient les Arabes, ils viennent sur le chameau, ils ramènent, ils achètent. Ouais. Ah oui? Oui, nous, on paye avec le blé. Ouais. C'est pas, on ne donne pas de largeur. Oui, ils donnent le henné. Ouais. C'est pareil. Ah, mais les jours avant la guerre, oui, mais après la guerre, et la guerre, c'est... Si j'ai le courage comme l'époque là, ça va, mais maintenant, il ne me reste rien du tout. Ouais, j'ai dit à docteur, j'ai attaqué la mort, la mort, la mort. Le mot, c'est le mot. Elle m'a dit, non, madame Jaffour, ils ont besoin de vous. J'ai dit, non, 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 non. Mais si, il a raison. Non, oui. Attends. A few months ago, Marie was born, my first child. Her birth brought up many questions that I just couldn't keep to myself. Questions about my Algerian father, who was the son of an Haki. A word that is taboo in my family. Just like the word Bias. That's a camp in southwestern France, where they found refuge in the 1960s.
c'est une nécessité absolue que tes enfants le sachent. Qu'ils la découvrent quand je serai plus là. Non, c'est trop tard. Non. Parce qu'ils ont peut-être, ils ont peut-être des questions à te poser. Il faut qu'ils sachent. Je ne veux pas leur mettre la haine, en fait. Parce que moi, quand on me raconte que voilà, mes parents, on leur a fait ça. Et... T'imagines à cet âge-là, à 14 ans? Oui, bien sûr, à 14 ans, c'est trop jeune. Mais maintenant, il faut qu'ils sachent. En pleine adolescence. La vérité, il faut la dire, il faut l'écrire, il faut la dire. Il faut que non seulement tes enfants, tes petits-enfants la connaissent, mais il faut que le monde entier sache comment nous avons été traités. Ça, c'est fait, s'il vous plaît. Allez, ça, c'est fait, bien. Hein. Allez, bon, ça y est, mamie, elle est fatiguée. Allez. I'm sorry for reopening old wounds, but I need you to tell me more about your past, which, after all, is also mine. Il faut tout d'abord rappeler qu'on venait de quitter 6 années de vie infernale en Algérie. On était loin, 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 loin d'imaginer, après avoir tout perdu, qu'on allait nous enfermer dans des camps. C'était des camps où on assistait à des meurtres. À des meurtres à coups de hache, à coups de pistolet, à coups de carabine. Pardon, voilà, pardon, il y a une seule chère. J'ai fini, merci. Des années qu'on a... Si je parle tout, je raconte qu'est-ce qu'il m'a dit là-bas, ici. Un an, je finis plus jamais. Mais merci le Dieu, votre courage, il a donné le courage, je le remercie des milliards de fois. Mais si maintenant, je ne peux pas. Je ne peux pas. I'm sorry, Granny. Forget about it. I hardly know anything about my grandfather, Amar. He died when I was 13. What happened to him in Algeria at the end of the war? When the FLN won and France disarmed the Archies, leaving them to their fate. How did he find refuge in France? Why doesn't anyone want to remember Bias? Camp Bias, the place where my family's hopes were crushed one last time. Bonjour Dalila. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Sarah. Ma famille a vécu dans le camp de Bias et en fait je viens à la rencontre des gens pour essayer de comprendre un petit peu l'histoire
tout ce qui s'est passé. J'aurais voulu savoir si on pouvait discuter. Oui, mais finalement, j'ai réfléchi depuis votre appel et je préfère ne pas parler. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Sarah Djafour. Madame. Je m'appelle Sarah Djafour, je suis la petite... Mais je suis la petite fille de madame Djafour et je viens... Je viens rencontrer les gens qui vivent ici un petit peu. Et je peux pas vous poser quelques questions? À qui j'ai raconté quelque chose? À moi? À rien. Même à mes enfants, je raconté pas. Bonjour Mohan. Mohan? Ouais. Je peux rentrer? Oui, vas-y. T'es qui? Je m'appelle Sarah Djafour. Je suis la petite fille de madame Djafour. Ah oui, je connais. Je peux m'installer là? Ouais, vas-y, vas-y. Installe-toi, j'arrive. Alors, qu'est-ce qui nous vaut cette visite? Bah alors, en fait, je viens à la rencontre un petit peu des gens qui ont vécu ici, ouais. Puis dans le camp. Ouais. Et je crois que tu as beaucoup, beaucoup de choses à me raconter sur le camp pour en apprendre un petit peu plus sur ma famille. Ah oui, j'ai connu ta famille. J'ai connu, ça partie d'ici en 1975, je crois. 75 ou 76 76, ça partie d'ici, ouais. 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 À la fermeture des soi-disant des camps, mais qui, des camps qui n'ont jamais fermé. Mm. Puisque j'y habite encore, tu y arrives, tu me trouves encore ici. Mm-hmm. Ouais, ouais. Parce que toi, tu as toujours vécu ici? Ben, j'ai toujours vécu ici depuis, depuis le 17 septembre 1963. Et quand on est arrivé, il faisait sombre et tout. Et c'est la biasse. Ouais, il faisait sombre. Il n'y avait rien. Le petit logement qu'on nous avait octroyé, il n'y avait rien. Mon père est allé dans un bâtiment qu'il y avait vers le fond, là-bas. Ils lui ont donné des housses qu'il fallait remplir de paille. Il est revenu avec ses pailles. Et heureusement, on avait quelques bougies à la maison, parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Donc on a passé la nuit comme ça. Mon père, il est venu avec des trucs comme ça. Je lui ai dit, mais comment on va dormir dessus? Il m'a dit, quand tu vas monter, ça va s'aplatir. Donc on a dormi sur ses paillasses. Et mais ces paillasses, on les a gardées jusqu'en 1968. Hein. Le premier truc qui m'avait dérangé, moi, le soir, premier soir, on a été accueillis par des punaises. Il y avait plein de punaises. Il y en avait, ça grouillait de partout. On était obligé de dormir avec la bougie allumée. Il fallait surveiller que la bougie, elle ne te mette pas le feu à la paille et tout. C'est la misère, quoi. Les harkis ont vécu des drames un peu partout. Mais ici, c'était le pire. Le camp de Bias, c'était un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. T'as des souvenirs, toi, en Algérie? T'en as beaucoup? Ah oui, parce que nous... ouais, c'était des souvenirs qui sont durs, parce que y a eu, ma famille avait été massacrée et tout. Alors donc... C'est des trucs que j'ai pas envie de trop raconter, quoi. D'accord. Ouais. Et juste, est-ce que tu sais, parce que c'est quelque chose, moi, qui m'intrigue, c'est pourquoi ton père, lui, comment ton père, il s'est retrouvé avec l'armée française? Non, mais justement, c'est suite à l'attentat qu'il y a eu dans notre village, là. Ouais. Ils sont venus, ils ont massacré ma famille. Le FLN est venu à massacrer ta famille? Oui, pour rien, quoi.
Ils sont venus, ils les ont sortis de la mosquée, ils ont engorgé des membres de ma famille, mon père lui a tiré dessus, pour rien. Donc ils ont autorisé l'armée française à s'installer là-bas, à s'implanter. Ils se sont implantés, donc ils ont créé une arca. Rien ne me dit que ce n'est pas l'armée française qui a envoyé ces gens qui se disaient du FLN. Pour que l'armée française puisse s'installer dans notre village, peut-être qu'il a fallu cette manipulation. Mais bon, tout ça, bon, je ne sais pas trop te raconter le truc, parce que bon, tu arrives, on est en train de taper le café, j'ai pas toutes mes idées en place. Up until yesterday, I was convinced all the doors would remain shut. But thanks to Mohand, they're starting to crack open. Bonjour Kader. Bonjour Sarah. Enchantée. Bienvenue à toi. Merci de bien vouloir me recevoir. Bonjour madame. C'est un plaisir. Ben, j'ai appris que tu es venue, c'était un peu pour repartir sur la mémoire de tes grands-parents. C'est ça. Ici au camp de Bias. Ouais, c'est ça. Ben, écoute. C'est bien, franchement, c'est bien. Voilà, parce que moi, comme je te dis, mes enfants, ils n'auront pas ce courage-là. Ils n'acceptent pas qu'on dise que son grand-père, c'était un traître. Mm. Eux, ils prennent le mot traître dans la gueule et eux, ils n'ont pas de répondant, alors ils préfèrent ne pas en parler et au moins se réfugier derrière ça concernait mon grand-père. Et... Donc, je t'installe là. Ça marche. Hop. Merci de bien vouloir me recevoir. Hein. Alors, j'ai parlé à ma grand-mère il y a 2-3 jours, elle m'a dit que j'avais une seule amie au camp de Bias, c'était Madame Tamazunt. Et bien voilà. Donc, ma grand-mère, Fatma, ouais. Voilà, elle vous embrasse. Tu comprends un petit peu le... Pas trop. Elle te dit qu'elle a travaillé beaucoup avec elle dans les champs. C'est ce qu'elle m'a dit, oui. Qu'elle a un grand vécu avec elle ici, puisqu'on était voisins ici. Donc. C'est des choses dans la famille, on ne parle pas beaucoup. Hein. Moi, je sais que mon père, je pense qu'il a occulté beaucoup de choses pour avancer. Et... Oui, je pense que ton papa, peut-être qu'il te l'a pas transmis comme il voudrait te la transmettre parce qu'elle était ce qu'on a subi c'est quelque chose de tellement violent quoi et c'est dur à expliquer c'est sûr que moi j'ai déjà du mal à l'expliquer à mes enfants il y avait des meurtres en direct il y avait des enfants qui subissaient des traumatismes déjà c'est un traumatisme d'être interné dans un camp et en plus on subissait des choses à l'âge de 6-7 ans, moi j'ai encore mémoire de bagarres se terminer oui, avec une balle dans la tête par exemple. Ouais. Mon traumatisme, moi, c'était une personne, une dame qui avait été tuée une nuit de 33 coups de couteau, je crois. Ouais, une dame. Il s'était acharné, le bonhomme, sur elle. Elle avait été assassinée la nuit, le matin, on avait compris que 33 coups de couteau, c'est une mémoire, j'étais gamin. Ils ont laissé pratiquement un bâtiment entier de personnes déséquilibrées psychisme. Complètement. Limite, pourquoi il y avait des meurtres? Ils savaient que ces gens-là, ils étaient capables de te tuer. C'était des gens atteints de pédophilie. C'était des violeurs. C'était des gens malades qui avaient tout pour commettre ces faits. Et on les a laissés là, au milieu d'enfants. Les gens, pourquoi ils se sont armés? Mon père, la seule chose qu'il avait, c'était de mettre son fusil, de le charger le soir, de le mettre à côté de son lit. Oh. Bias n'est pas un village comme les autres. Bias n'est pas en Algérie, mais en Lot-et-Garonne. Là vivent des harkis que la France a recueillis. Ils ont fondé une véritable communauté qui ressemble étrangement à celle qu'ils ont quittée. Ton père et le mien sont venus en même temps. Les Djafour, on est venus en 68. Ouais. On est passé par le château de Lascour dans le Gard et on a atterri ici. Voilà. Tous ces bâtiments, si tu veux, de là-bas, de derrière la butte, jusqu'au bout, c'était l'administration, comme je t'ai dit, le dispensaire médical, les professeurs, et tout là-bas, c'était les écoles.
Les bâtiments ressemblaient à des bâtiments comme dans les camps de concentration. Hein. Ouais. L'architecture était exactement la même. Il y avait deux, trois pièces. Allez, pour les familles, tu te rends compte, les familles qui étaient 7, 8, une dizaine, il y avait 4 ou 5 enfants par piole. Il y avait une petite gazinière pour faire à manger, les toilettes étaient dehors, c'était insalubre, enfin bon. Et avec des barbelés autour. Mm-hmm. Et une surveillance aussi. Au portail et il tout. Il manquait plus que les miradors. Ah oui, au portail et tout, oui. Et puis les lumières, hop, et puis hop, extinction des feux, on éteignait. Même à l'intérieur des maisons. Et donc, avec ton père, tes deux frères et ta mère? Non, ma mère, elle est restée. Ta mère, elle est restée en Algérie. Elle nous a abandonnés. Enfin, elle était pour l'Algérie, algérienne. Hein. Alors, c'est ça, en 68. Elle est revenue ici en 2004, 37 ans après. Elle est venue en France. Le contact a été assez difficile parce que, si tu veux, elle se rapprochait beaucoup de moi. Mais là, je pense, je parle de quelque chose d'assez tactile. Hein. Et moi, j'ai refusé parce que je lui ai fait comprendre... Après, je lui ai parlé, je lui ai fait comprendre que moi, c'était plutôt certaines éducatrices qui ont joué le rôle de la maman, de substitut, on peut dire ça comme ça. Mais elle, je ne lui en voulais pas. Je ne lui en voulais pas, mais je voulais quand même garder, tu vois, cette distance. Parce que mon père en a bavé, quand même. Quand il est arrivé ici, c'était la désolation totale. Hein. Ça te plaît de vivre en France? Oui. Tu aurais pas préféré rester en Algérie, non? Non, là c'est mieux. C'est mieux en France? Oui. Dis-moi pourquoi. Parce que là c'est mieux, parce que là-bas il y a le FLN. Il y a le FLN là-bas? Oui. Tu avais peur du FLN? Oui. Tu te plais ici? Oui. Tu préfères être ici ou être en Algérie? En Algérie. Oui. Tu étais à quel endroit en Algérie? Kerba. Pourquoi tu préférais l'Algérie? Mon pays, l'Algérie. Je vais te montrer une photo où, pour voir les conditions dans lesquelles ils vivaient. Alors, c'est qu'une pièce, mais tu vois l'état des murs, les tout comme ça. Tu t'en apercevras. Tiens, regarde. Je te l'ai sorti exprès. Ça, c'était la cuisine du camp de Bias, à l'époque. Alors là, c'est ma maman, c'est ma mère. D'accord. Là, c'est mon beau-père. Et ça, c'était notre cuisine à l'époque. T'avais rien. On avait droit, au niveau de l'État, du bureau à une douche par semaine. Comment ça se passait? C'était quoi des douches où tout le monde... C'était comme dans les gymnases, tout le monde au même endroit et puis tout le monde au même endroit. On se douchait dans ce bâtiment été comme hiver. Hein. Quand tu penses que c'était quand même un hangar, imagine l'hiver. Honnêtement, c'était vraiment le système militaire fermé. Il faut savoir que toute démarche, il fallait en référer au bureau. Même pour un mariage, il fallait demander l'autorisation. Moi, je me rappelle que j'avais un frère qui habitait à l'extérieur. Et pour qu'il vienne voir ma mère, il fallait que ma mère demande l'autorisation au bureau. J'avais 15 ans quand j'ai su que j'avais des oncles et des cousins quelque part. Au camp de Bias, aucun étranger ne rentrait. Il n'y avait aucun étranger qui avait le droit de rentrer. On était entre nous. Français. Votre femme aussi? Moi et ma femme. Est-ce que ça veut dire que vous ne vous sentez plus algérien? Non, pas du tout. Plus du tout? Non. Je sens bien que je suis français pour le moment. Ne plus penser à l'Algérie, être français, ces phrases-là entendues un peu partout dans le camp n'étaient pas un constat, bien sûr. Seulement un souhait exprimé au présent dans l'espoir qu'il se réalisera plus vite. Le temps qu'il y faudra, c'est le problème actuel des anciens harkis. Et c'est aussi notre problème, puisque nous les avons pris en charge.
arrive. Va devenir célèbre, la villa. La villa taille va devenir célèbre. Ah oui. Bien avis ça, hein. Ah, oui. Bon, les mets où, là? Ah ben tu les mets dans ta poche. Oh bordel de merde. Allez, on y va, on rentre. Allez, on y va. On allez. Rentre. Allez, je t'en prie, hein. Oui. Toi, hein. Oui, c'est vrai. Voilà. On est arrivé à Bias. Je croyais que j'étais retourné en Algérie. Ma mère, elle commençait à dire you-you parce qu'elle était contente. Et moi, ouais, je n'étais pas content. Ils nous ont rejetés. Tu prépares un petit café, Iklan? C'est ma fille, celle qui a 14 ans. C'est la dernière. Au camp de Bias, j'ai rencontré des... Mohamed, j'ai rencontré Ali, Omar et tout, bon. Ah, j'aurais pas dû te rencontrer. Eh bien, on nous met dans des camps, ils nous ont mis dans des camps comme indigènes, pas comme des Français, pas comme des immigrés. Parce que les immigrés, on les a mis dans les HLM, et leurs enfants, ils allaient dans l'école républicaine. Nous, on n'était même pas considérés comme des immigrés. On était indésirables. On a été acceptés par force, parce que c'est des sous-officiers qui nous ont ramenés par force. Parce que M. de Gaulle et son gouvernement, ils nous ont rejetés, ils nous ont désarmés, ils nous ont mis le couteau du FLN sous la gorge. Et le voilà notre problème. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi que, quel est ce mal qui nous ronge, qui nous ronge? Voilà. Garder la nationalité française. Oui, monsieur le juge. Oui, monsieur le juge. Oui, monsieur le juge. Oui, monsieur le juge. Et votre femme, voulez-vous lui? Oui, monsieur le juge. Moi, c'est Ben Ahmed. Je le vois. Un peu cosse. T'es un sacré danseur. Ah, il adorait ça, ouais. Ah, mais c'était un sacré record, hein. Ah, il aimait danser le rock, c'est incroyable. Merci. Beaucoup de Lot-et-Garonne, je dirais même pas de Français, de Lot-et-Garonne, ne savaient pas qu'il y avait un camp dans le Lot-et-Garonne. Encore aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose. Et on nous a cachés. On dirait qu'on avait, la peste. Tous nos parents sont devenus alcooliques. Mon père buvait. Et beaucoup d'autres. Pour noyer leur chagrin. Pour dire, mais qu'est-ce que j'ai fait à la France pour... Mon père, il a dû se dire, qu'est-ce que j'ai fait à la France pour être là? Et est-ce que tant qu'on est sur l'Algérie, est-ce que... Parce que pour moi, ça, c'est quelque chose qui est... J'ai jamais su, et peut-être que je saurai jamais, hein, mais les conditions pour lesquelles ou dans lesquelles votre papa ou vos pères respectifs se sont engagés pour l'armée française. Il y a plein de raisons que nos parents... Il y en a qui ont égorgé leur famille devant eux. Il y en a qui ont... On a violé une personne de la famille, tout ça. Plein de choses comme ça qui ont fait que certaines personnes ont été obligées de s'engager. Moi, j'avais ma grand-mère qui allait chercher de l'eau dans un puits. Au chemin du retour, il y a les militaires français qui l'ont ramenée jusqu'au chez elle. Avec la Jeep. Donc les voisins, quand ils ont vu ça, ils en ont déduit que c'était une... qui collaborait avec eux. Donc le soir, ils sont venus, ils l'ont pendu devant sa maison. Donc quand mon père est arrivé, qu'il a vu sa mère pendue comme ça devant chez elle, il allait directement s'engager avec les harkis. Voilà. À savoir que aussi, j'ai un demi-frère du côté de ma mère. Lui, il avait 18 ans et demi, 19 ans, et lui, il était FLN. Vous voyez quand la guerre d'Algérie est tragique,
est tragique. C'est-à-dire que mon père était harki et j'ai un frère qui était FLN. Looking at old photos and videos, I'm deeply moved to see the faces of the people I meet. The images suddenly cease to be archives and become my father's childhood friends, my family's neighbors. At the time, Granny was my age, only just 30 years old. My father was 8, and all around him, his 8 brothers and sisters, children too. Là, il y avait l'école. L'école, mais c'est l'école entre nous, hein. Oui, oui, hein? Okay, oui. C'est-à-dire que moi, j'y allais une demi-journée à l'école. C'est pas normal que j'aille qu'une demi-journée. Nous, on croyait être dans une cité, aller à l'école avec les Français, quoi, avec les petits Français, tout ça. Non, 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 c'était pas ça. J'avais pas l'impression qu'on allait à l'école. Il y avait 2 classes. Alors, les niveaux, ils savaient plus trop comment y faire. On était avec celui qui avait 14 ans, celui qui en avait 7, 8, tout ça mélangé. On était dans une école fermée qui nous rendait illettrés, irresponsables, et elle ne nous intégrait pas. Donc, comment voulez-vous que demain, qu'on devienne des gens cultivés et des gens intégrés ? Ce qu'ils faisaient, surtout, c'est qu'arrivé à 14, je ne sais plus si c'est 14 ans, ils enlevaient, ils venaient enlever le fils et le mettaient au centre de Moumour, un centre de redressement. Ce n'est même pas un centre, une école, c'est un centre de redressement. Et ce centre de redressement, même si l'enfant n'avait rien fait. Il y a le directeur du camp, qui était à l'époque M. Boucher, et qui convoque mes parents vis-à-vis de moi. Il dit à mes parents, vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Je dis non, voilà, votre enfant va devoir vous quitter puisque j'ai décidé de le placer dans une structure, dans un centre, parce qu'il fait trop de bêtises. Ma maman a réagi tout de suite en lui disant mais pourquoi mon fils ne fait rien ? Il n'a rien fait de mal. Il lui dit si, il a cassé un carreau. Et mon père lui dit non, mais il est hors de question, mon fils ne partira pas, c'est hors de question. Il lui dit bon. Et devant le refus de mon père, il a commencé à être menaçant, le directeur du camp. Il l'a menacé de beaucoup de choses pour le faire, pour qu'il signe. Et un moment, un geste de colère, il a tapé sur la table et un geste de dépit. Il a compris qu'il était obligé de s'exécuter. Et moi, dans la douleur, j'ai vu que mon père allait céder. Il a signé le fameux papier pour que je sois emmené dans cette structure. Beaucoup ont commencé à voir que ce directeur du camp nous manipuler surtout les anciens, puisque nous étions encore des jeunes adolescents, et ils voyaient qu'ils n'avaient pas le droit, qu'ils ne touchaient pas toute leur pension. Et quand des harkis se révoltaient, ben c'était directement le centre psychiatrique. Et il y en a beaucoup qui se sont retrouvés à la Candélie. Alors c'est un centre hospitalier psychiatrique, c'était leur solution, la Candélie. Quand ils n'arrivaient pas à maintenir une autorité, Candélie. Une contestation, Candélie. Une femme, on voulait lui enlever ses enfants. Alors elle a dit non, on n'avait pas à m'enlever mes enfants. Et quand ils ont voulu la prendre de force, elle avait préparé de l'huile, je crois, ou de l'alcool à brûler. Et ils ont forcé la porte, et quand ils ont forcé la porte, ben, elle leur a jeté sur le visage des gendarmes. Et il l'a amené à la Candélie. On l'a infiltré, je ne sais pas trop quoi, piqué, avalé. Ça revenait soit légumes,
soit complètement déglingués, quoi. Et puis les autres qui restaient sur le camp, pour éviter que ça arrive, ces révoltes-là, etc., ils avaient laissé cacher là. Mon père, il s'est rebellé, il a été mis à la Candélie. Et bien, il y avait mon frère qui était le plus grand, mon frère Boussad, père son âme, il est décédé maintenant. Et il nous racontait qu'il était en train de jouer au foot, et il voit cette ambulance arriver, et des hommes habillés en blanc le prendre, le mettre dans l'ambulance, et... On a eu l'âge de dire, bon, ben ça suffit, nous voulons vivre autre chose. Et je leur ai dit, ben on va brûler l'école, pour que déjà faire disparaître cette école qui nous a rendus analphabètes, et en même temps, ça nous permettra aux jeunes d'aller à l'école dans les communes avoisinantes. Je suis rentré dans l'école, j'ai mis des Algériennes. J'avais une boîte d'allumettes, je m'amusais comme ça. J'avais oublié que j'étais au milieu. Tac, tac, la première, elle ne s'est pas allumée, la deuxième, elle ne s'est pas allumée, la troisième, elle a fait boum. Et Badi, j'ai entendu, sors, sors, sors. Badi, il était dehors, lui. Il faisait le guet. Et il est sors, sors, sors. Et moi, je ne savais même pas où sortir. J'étais entouré de flammes. En plus, il y avait le gaz qui a explosé avec. Et puis, d'un seul coup, je plonge par la fenêtre. Et je suis sorti. Et après, pour sortir des rien, je n'arrivais pas à trouver le trou. Il y avait le voisin à côté, il avait bien le chien, commencé à aboyer quand il a entendu boum, il a commencé, waouh, waouh. L'autre, il sort, il y a au feu, au feu. Il m'a fait la force, on a trouvé le trou. On est parti, chacun est rentré chez lui. Bon, j'ai été brûlé un peu les mains, j'avais les cheveux brûlés, j'avais les genoux brûlés. Après, il y avait des gendarmes qui sont passés devant chez moi. J'avais les mains dans les poches. Je leur dis, ne me demandez pas de vous serrer la main, j'ai pas envie aujourd'hui. Je suis en colère, on en a brûlé la classe où j'étais à l'école et tout. Je suis pas content. Et puis, voilà, et puis après l'école, l'a fermée. Et jusqu'à présent, c'est resté comme ça. Et ah oui, hein. C'est pas facile, hein. Hein? Il dit comment tu l'angle au coulis. Depuis hier soir, 23h, quatre travailleurs immigrés algériens sont détenus par une dizaine de jeunes harkis masqués et armés de fusils de chasse à canoncier. On obéit. Et comment c'est d'abord, il faut obéir dans la vie. Justement, on oublie, mais on a trop oublié. Ça fait 13 ans qu'on oublie, 13 ans qu'on oublie. C'est normal qu'il faut se réveiller quand même, non? Ça fait 13 ans qu'on vous oublie. Les harkis sont assez aigres et en veulent à ceux qui les ont mis dans le pétrin. Et je m'explique. On leur a fait croire et on leur a dit qu'ils étaient malheureux dans ce cas. Ceci était faux. The rebellion forced authorities to close the camp. That's how many families, including mine, were able to leave. Others realized how difficult it was to live outside the camp after 15 years being trapped there. So they never left the area. Moi, dans la grande ville, moi, je sais pas lire, je peux pas, moi. J'ai pas habitué, moi, dans la grande ville. Jamais je sortais, moi.
Those who agreed to talk to me gave me more answers than I ever expected. Yet more questions are spinning in my head. I've learnt more about my father's childhood in France. But what horrors did my family escape from? Hey, coucou. Coucou, Sarah. Comment ça va? Ça va. Et toi? Oui, ça va. Wow. Je vais la poser là. Tu la tournes de l'autre côté ou... Oui, Mathilde. Oui, oui, elle est contente. Elle est contente. Hein? Nous aussi, elle est contente de te voir comme ça. Ton arrière-grand-mère. Oui. Bon, vous m'attendiez peut-être. Oui, oui. Hein? Oui. On va passer à table, hein. Oui, ils t'ont puni. Ils t'ont mis à côté de moi. Hop là, hop. Non, mais sur le banc, c'est mieux. Voilà. Bon, ça va? Oui, oui, ça va. Et toi? Bon, mamie, t'as le bonjour de Madame Tamazunt. Merci. Wow. Bah, tout le monde, hein, au global. Hein. Oui. Ouais, ouais. Madame Tamazunt. Quel âge elle a? C'était des amis. Eh ben, quel âge elle a maintenant? Elle, a, elle doit avoir le même âge. Sensiblement le même âge. Elle est le même âge. Comment elle va la pauvre? Ça va? Ça va. Comme toi? Il en reste beaucoup à Bias dans le camp de ce qui était le camp. Ben, je pense. Est-ce que ça se voit que c'était un camp ou pas? Ah oui, oui, oui. Maintenant, maintenant. Non, si tu, non, si tu sais pas, si tu sais pas. C'est juste que les maisons, elles sont quand même. Enfin, elles sont, c'est pas des maisons. Non, c'est un peu lugubre, quoi. Je suis arrivée le premier jour, il pleuvait. C'est des maisons, tu sais, elles sont pas isolées, elles sont toutes pareilles, elles sont pas hyper. Ouais. Bon, et après. Qu'est-ce que c'est cette vidéo? Ça, c'est Aïssa Gasmi. Aïssa Gasmi, ouais. Il nous a raconté qu'il avait fait péter l'école, que c'était lui qui avait mis le feu à l'école. Ouais. Badi et moi, on s'est ramenés à l'école. J'ai mis des jerrycans et j'avais une boîte d'aliments. Je m'amusais comme ça. J'avais oublié que j'étais dans. Et Badi, j'ai entendu sort. Badi, il était dehors. Lui. C'est des choses qu'il fallait faire, en fait. Ben oui. De toute façon, il fallait tout faire sauter. Je suis contente, Sarah. Qu'est-ce qu'il y a, mamie? Je suis contente avec ce que tu as fait. D'avoir vu tout le monde? Oui. Écoute, moi aussi, je suis contente. Vous allez retourner là-bas. Ils savent bien, vous êtes mieux que... I feel that my father respects me for what I've done, but he still thinks it's unnecessary to talk about it. For him, the past is in the past. Granny, on the other hand, told me before going to sleep that she was ready to open up. Thank you for your courage, Granny. I hope the pain will eventually help us all. Bon, on va commencer. Oui. Vous êtes prêts? Est-ce que je vous pose quelques questions sur l'Algérie, votre enfance? Je commence par mamie. Bon, mamie, du coup, je vais te poser des questions sur l'Algérie, surtout, de ce que tu te rappelles. Et donc, voilà, tu me dis, si tu n'as pas envie de répondre à certaines choses, tu ne réponds pas, de ce que tu te rappelles, tu fais comme tu veux. D'accord? L'Algérie, on a passé... La souffrance de l'enfer, mais le Dieu est avec nous, il m'a encouragé. Vous habitiez où? C'était où? On vivait en Kabylie, dans un petit village à 18 km de Tizi Ouzou, 18-19 km. Non, pas village, c'est loué là.
L'Urdura, c'est là-bas. On regarde, tout quand on voit la porte, on regarde l'Urdura. L'Urdura, c'est la montagne? Oui, c'est la montagne. C'était un endroit magnifique. On avait la nature pour nous tout seuls. On avait la cuisine d'été, mais couvert avec du chaume. Et l'arbre de grenadier, il était juste derrière. Donc tu vois les grenades qui pendaient sur le toit de chaume. C'était très beau, ouais. C'était beau, ouais. Est-ce que tu te, enfin, tu sais pourquoi papy il a choisi de s'engager avec l'armée française? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça et comment ça s'est passé? Après ça, c'était une période difficile, en fait. Ma maman, elle était farouchement contre. Mon papa disait qu'il était obligé, etc. Ça, je suis ce souvenir très précis. 5 fois, ils sont venus l'armée me prendre. J'ai dit jamais j'ai mis le pied là-bas. Jamais j'ai mis le pied à l'équerre. Papy faisait partie des gens du village, les plus riches sans doute. Donc il était jalousé par sa propre famille et pas par n'importe qui. Par sa propre famille, dont un de ses cousins qui était FLN pendant la guerre. Donc, ses cousins, son oncle et ses cousins, voulaient le tuer pour lui prendre ses terres. Et papy s'est engagé dans l'armée française suite à ça. Et après, papy m'a dit, après, si tu viens, tu ne restes pas dans ma maison. Je n'ai pas de maison où est-ce que je vais aller. Eh bien, ça va faire papy. Donc là, à partir de cette période-là, là, donc ça a été la fin de la guerre, en 62, ouais. Si c'est le feu. Et à partir de là... Ah, notre vie a basculé le 22 juillet 1962 au crépuscule. Les gens, ils sont devenus fous. Hommes, femmes et enfants, tout le monde est devenu fou. Il y avait des expéditions punitives sous forme de défilés de femmes FLN, pro-FLN et étudiants. Après le monde né qui vient, toi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont décidé dans leur tête, elle va faire pour nous. C'était plein de femmes, des drapeaux algériens, l'Algérie, aux Algériennes. Ils sont venus à la maison, ils ont tout ce qu'on avait comme nourriture, la semoule et tout, ils l'ont renversé par terre, ils ont mis de l'eau pour qu'on le... Ouais, pour ne pas le récupérer, les tapis, les couvertures, les tapis en laine. Là. L'autre, il est arrivé, fils de traître, etc., etc. Il m'a battu avec une extrême violence. Ils ont attrapé un pour les mains, un pour les bras, les pieds. Ils ont tombé comme ça par terre. Il a vomi le sang toute la nuit. Moi, une, elle m'a pris dehors, en dehors de la porte. Elle m'a pris par là, elle me serrait la gorge. Et une, elle est allée pour étouffer ton père. Elle a pris le coussin pour lui dormir pour l'étouffer. Il y a ma grand-mère maternelle qui s'est recroquevillée dessus pour le protéger. Donc elle lui doit la vie. Et il doit la vie à ma grand-mère. Ton père, après, je me suis dit, il avait peur du noir. Je dis, après, est-ce que c'est... Pendant longtemps, il avait peur du noir. Et papy, il était où pendant ces... Là, à partir de 62 ? Il a été mis en prison? Non, d'abord, ils ont fait des travaux forcés d'abord dehors. Ils nous obligeaient à aller voir nos pères faire des travaux forcés. Leur geôlier qui leur tapait dessus à coups de crosse de fusil ou de gourdin quand ils n'avaient pas de fusil. Et on les voyait tous, avec d'énormes lèvres blanches, parce qu'ils leur faisaient tous enlever les figues de barbarie avec la bouche. Et lui, le pauvre, il n'a pas voulu me regarder. Il me dit, ma fille, je ne veux plus que tu reviennes me voir. Je dis, mais si je reviens te voir, me dit, non, ma fille, je t'aime, mais je ne veux pas que tu reviennes. Je ne veux pas que tu reviennes me voir. Pardon, ça, pardon. Pardon de quoi? Je t'ai fait pleurer comme ça. C'est pas toi, hein, c'est moi. Me donner une soupe à l'angèle. J'en ai plus. Il faut que j'aille chercher. Ah.
Bah, nous, on savait que ce n'était pas possible pour nous de rester là. Donc, on a organisé un plan d'évasion. Après, je lui ai raconté à le mari, à ma soeur, elle m'a dit tout de suite. Tout de suite, on va y aller. Après, j'ai dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Encore, j'ai peur. Je vais ramener le malheur pour le mari, à ma soeur. Elle va condamner contre moi à cause de moi. Il m'a dit, je te dis, on va y aller, si tu veux que je te ramène jusqu'en France. Et Mohamed, qui ne voulait pas monter, et lui s'est accroché à sa grand-mère. Il lui dit, je reste avec toi. Et cette scène, et elle lui dit, je suis vieille, je vais mourir, tu m'as trop vite tout seul. Il faut que tu pars avec ta mère et tes frères. Lui, non, il s'est accroché. Il lui dit, tu viens avec nous, je pars. Elle lui dit, non, moi, je ne peux pas venir, je reste, je garde la maison. Jusqu'à ce que vous alliez revenir. Et ça, c'est terrible. Elle est morte un an après. Elle n'est pas morte de maladie, elle est morte de chagrin. Ça y est, merci, merci, excusez-moi. Astaghfirullah, ya Rabbi. Daïna, il est soufflé. C'est bon, mamie, c'est fini. Oui. Pas gaspiller. Voir dire une fois l'Espagne et l'Allemagne guider. Pourquoi? Au restaurant. Là. Je lui ai coupé le souper en apportant la ville. Mais pourquoi t'as fait ça? Je ne sais pas. Pour économiser. Tu n'es pas honte. Tu n'es pas honte. Ça n'existe pas ça. Mais j'ai jamais, car vous voyez, je vais rester à cet âge-là avec qu'est-ce qui s'est passé sur moi. Si, mais c'est comme à bien ça, il y en a plein, il y a des femmes qui restent toutes seules, il y en a beaucoup encore. Je sais. Vous êtes plus résistante. Oui. Cecile Kindrea, Vittorio Moroni, and their award-winning film on the plight of the Harkis through the experience of just one family, one of many caught up in the painful aftermath of Algeria's battle for independence from France. Thank you for watching. You can see it again on our website, france24.com. Until the next time, stay safe, but most of all, stay with us.